Bonjour à tous, je m'appelle Edouard et je suis ton prof de français. Comment allez-vous? Ça va? Comment allez-vous? How are you? Ça va? How's it going? Très bien. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est mardi aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va lire la petite histoire de mon chien. So we've already read this story, everybody. I'm sorry I'm a little bit late today. I was finishing up another call, but I am here with you. Je suis ici. I'm here now, maintenant. So on y va. Mon chien. My dog. Mon chien peut sauter. My dog can jump. Mon chien peut sauter. Mon chien peut courir. My dog can run. Mon chien peut nager, to swim. Mon chien peut creuser, can dig. Mon chien peut grimper. Mon chien peut s'asseoir, to sit down, s'asseoir. Mon chien peut rouler, rouler. Mon chien peut me faire un câlin. My dog can hug me. So I'm going to read that one more time. And then, as promised, we're going to work on verbs, verbs in the present tense with this book. So, mon chien peut sauter. Mon chien peut courir. Mon chien peut nager. Mon chien peut creuser. Mon chien peut grimper. Mon chien peut s'asseoir. Mon chien peut rouler. Mon chien peut me faire un câlin. Très bien, my dog can give me a hug. Okay, everybody. So I hope you guys are having a fantastic day. Aujourd'hui, c'est mardi. Écoutez, répétez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. And maintenant, on va voir ensemble le verbe de ER. De l'histoire, of the story. Okay? So, the first verb that we see in the story is sauter. Répétez. Sauter. Sauter. Sauter, c'est un verbe de ER. It ends in ER. And these verbs follow similar patterns. And you're going to see the patterns when I share mon écran. Bon. Répétez. Je saute. I jump. Tu sautes. Il, elle, on saute. Nous sautons. Vous sautez. And il, elle, saute. Saute, 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 saute. Sautons, sautez. Je saute. I jump. Tu sautes. You jump. Remember, we've learned je and tu. And then the dog, le chien, or mon chien, saute. So you're going to see this one because it's talking about he jumps. Il, elle, on saute. Nager. Je nage. Qu'est-ce que c'est? Ne nage. Je nage. Désolé. Je nage. I swim. Tu nages. Il, elle, on nage. Nous nageons. Vous nagez. Il, elle, nage. Nage, 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 nage. Nageons, nager. Okay? So again, these verbs are ER. So they're regular group one verbs. So they're conjugated in the same way. So I'm going to say both of these just a little bit faster, and you're going to follow along. Je saute, tu sautes, il, elle, on saute, nous sautons, vous sautez, il, elle, saute. Je nage, tu nages, il, elle, on nage, nous nageons, vous nagez, il, elle, nage. Okay? And then we have one more ER verb here that I already have conjugated for us, and the rest I'm going to see if you can do at home. So the other one is creuser, creuser. Okay, so creuser is to dig, creuser. So I dig. Je creuse, tu creuses, il, elle, on creuse, nous creusons, vous creusez, and il, elle, creuse. Okay, so if you see it's E-E-S-E, E-E-S-E, so the pattern is the même, c'est la même. Okay, so je creuse, tu creuses, il, elle, on creuse, nous creusons, vous creusez, and il, elle, creuse. I dig, you dig. He, she, it, right? Mon chien creuse. Mon chien nage. He swims. And mon chien saute. Now, the question is, why doesn't it not say mon chien saute or mon chien nage? It says mon chien peut nager. Mon chien peut sauter. Well, that's because peut is able
to or can. So it's my dog can swim. And when you have two verbs next to each other, the second one is always the infinitive, or generally the infinitive. And that's why you have these verbs here. They're slightly different. So for example, par exemple, on peut dire mon chien peut sauter, ou simplement mon chien saute. Okay, so my dog can jump, or my dog jumps. Mon chien peut courir, mon chien court. Mon chien peut nager, mon chien nage. Third person. Mon chien peut creuser, mon chien creuse. Mon chien peut grimper, mon chien grimpe. S'asseoir. Mon chien peut s'asseoir, mon chien s'assoit. It sits. Mon chien peut rouler, mon chien roule. He rolls over. Mon chien peut faire, peut me faire un câlin. Mon chien me fait un câlin. That's the conjugated word. It actually, it's doing the action, right? It's doing the action. Okay, everybody. So the verbs for today was sauter, to jump, nager, to swim, and creuser, to dig. And for homework, pour les devoirs d'aujourd'hui, tu peux faire la conjugaison. You can make and do the conjugation of grimper and rouler. So these verbs, grimper is to climb and rouler is to roll over, are the same endings as these three verbs that we've seen from sauter, nager, and creuser. And then you have some other verbs here, courir, s'asseoir, and faire un câlin. Those are irregular verbs. So stay with the ER verbs and get into that habit. Okay, so that was your little verb conjugation for aujourd'hui, today. Bon, je vais lire encore une fois. I'm going to read it one more time. And remember, chaque fois, every time, I'm going to read a little bit faster. Mon chien peut sauter, mon chien peut courir, mon chien peut nager, mon chien peut creuser, mon chien peut grimper, mon chien peut s'asseoir, mon chien peut rouler, mon chien peut me faire un câlin. Okay, everybody, so we've also learned the verb sauter, nager, grimper, rouler, and sauter, nager, grimper, creuser, to dig. That's all for aujourd'hui. Merci beaucoup. Again, sorry I was a little bit late. Please, if you're watching, let me know you're watching. It helps me know who is here, where you're from. Like the button, share the video, and also we're going to remember be here usually around 10:30 Eastern time, so I apologize for my delay today. If you come back in about 8 or 9 minutes, we're going to be doing children's Spanish, so you can hear the difference between mon français et mon espagnol. Bon, à vrai, merci.